Chers collègues, chers amis, chers étants, je remercie le CNRS pour la récompense majeure qui m'est décernée et qui honore aussi tous ceux qui ont partagé mon itinéraire. Je remercie chaleureusement l'École des Mines de Paris et INRIA, où j'ai fait la plus grande partie de ma carrière, le Collège de France qui m'a fait l'honneur de m'élire comme professeur, l'Académie des sciences, particulièrement importante pour moi, l'Académie des technologies et mes amis des CRS technologies. Ma carrière s'est inscrite dans le cadre collectif de la recherche française en informatique, qui est de très haut niveau et très reconnu internationalement. J'ai collaboré avec des chercheurs et des industriels remarquables, que je ne pourrais pas remercier et nommer ici faute de temps. Mais je garde une pensée particulière pour mes amis disparus, Gilles Kahn, Philippe Flageolet et Paul Gaspy. À la fin du XXe siècle, l'informatique a réalisé une percée fulgurante, due au progrès exponentiel de l'électronique, bien sûr, mais aussi au fait que la science informatique est une science de construction qui ne rencontre pas les obstacles des sciences naturelles, dont les objets d'études ne dépendent pas de nous. Mathématique dans sa théorie, mais avec un système de pensée qui lui est propre, l'informatique implémente sans délai ses découvertes dans les systèmes artificiels qu'elle construit. Un bon exemple est celui des premiers moteurs de recherche, développés en quelques mois, immédiatement mis en service et qui ont changé le monde. J'ai longtemps vu les scientifiques classiques considérer l'informatique comme un outil précieux, mais pas comme une science à part entière. La matière et l'énergie ont effectivement dominé les siècles précédents, l'information restant vue comme une question secondaire. Mais les choses changent. De plus en plus de scientifiques comprennent que l'informatique est en train de bouleverser complètement leur propre discipline et même leur façon de penser. La simulation sur ordinateur est utilisée partout. Elle devient fondamentale pour la compréhension profonde des phénomènes, et pas seulement pour leur imitation. Les algorithmes deviennent aussi importants que les équations pour comprendre les lois de la nature. Les astronomes construisent leurs instruments et leurs algorithmes de façon coordonnée. De plus en plus de biologistes voient la cellule comme une machine à information, le code génétique fournissant le programme et la biochimie, la machine de calcul. La médecine est révolutionnée par l'imagerie médicale et la modélisation des organes. Cependant, comparée par exemple à celle des USA, la science française reste globalement méfiante par rapport à cette évolution mentale. Un de mes objectifs actuels est de continuer à réduire cette méfiance. Je pense que l'évaluation scientifique est un art difficile mais possible, à condition de se laisser gouverner ni par les traditions qui tentent à favoriser les sujets déjà bien établis, même s'ils ronronnent d'un peu, ni par les modes qui poussent les sujets à traîner par leur nom, mais pas forcément par leur contenu, ni par les seuls indicateurs chiffrés. Aucune méthode bureaucratique ne pourra évaluer la créativité. Je terminerai par un sujet qui me tient à cœur, celui de l'enseignement de la science informatique dans le primaire et le secondaire. Cette question occupe actuellement tous les pays et devient brûlante en France. En 2013, j'ai d'ailleurs coordonné un rapport de l'Académie des sciences, écrit de façon collégiale entre chercheurs et enseignants. Un enseignement optionnel de la programmation au lycée avait été mis en place en 1981, mais paradoxalement supprimé en 1999, au moment exact du prédécesseur de l'informatique. Un enregistrement centré sur les usages a été ensuite introduit, sanctionné par le brevet informatique et Internet. Bien sûr, savoir bien utiliser les instruments et réseaux informatiques est indispensable. Mais utiliser, comprendre et construire sont des activités bien différentes. Non, il ne suffit pas d'apprendre les bonnes commandes sur son ordinateur ou sa tablette sans chercher à comprendre pourquoi et comment ça marche. Ça ne marche pas d'ailleurs. Se contenter de cette attitude revient à se poser en strict consommateur de technologies développées ailleurs. Heureusement, nous ne l'avons pas fait pour la physique, la chimie et la biologie. Sinon, nous n'aurions ni chercheurs, ni ingénieurs, ni industrie TGV, ni nouveaux médicaments, ni industrie point en général. L'enseignement est indispensable pour donner le goût des sens. Or, les industries et services liés à l'informatique sont parmi les premiers du monde en termes de dynamique et d'emploi. Et l'informatique tient une place de plus en plus grande dans toutes les industries et professions. Une position de pur consommateur devient intenable dans un pays resté heureusement ambitieux comme le nôtre. Comment accepter que nos bacheliers aient une connaissance nulle de l'informatique et des vraies raisons de ses impacts, alors même qu'ils l'utiliseront, en dépendront et pour beaucoup en créeront des choses? Le but de l'éducation n'est-il pas de former les enfants au monde de demain et pas à celui d'aujourd'hui qui n'existera plus demain? Beaucoup d'adultes veulent intégrer l'informatique dans leur champ conceptuel et pratique.
Autant d'une récompense personnelle.